C'est un énorme plaisir que j'ai maintenant de présenter cette plante qui est juste à côté de moi. Il s'agit de Maniote esculapta, encore appelé en anglais cassava, ou bien en français le manioc, qui a été donné comme une plante originaire du Brésil, mais qui est cultivée maintenant un peu partout dans le monde, surtout dans la zone intertropicale, à cause de ses racines qui sont tubérisées, c'est-à-dire qui se présentent sous forme de bois enflé et tendre, et qui est un produit d'une grande consommation, en particulier tous les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, comme la Côte d'Ivoire ou encore le Ghana, ainsi de suite, consomment énormément de manioc, sous différentes formes d'ailleurs, sous forme de farine, sous forme de granules. Le Togo aussi en consomme énormément. Eh bien, c'est cette plante que nous allons présenter maintenant, donc Maniote esculapta, qui est là. En fait, ce que nous voyons ici, c'est une variété avec des pétioles rouges très marquées, couleur rougeâtre, je dirais même plutôt un tout petit peu pourpre. Tandis que la tige est verdâtre, la plante même peut atteindre, bon, celui-là, on peut essayer de mesurer sa taille, mais c'est sûr que ça dépasse les 2 mètres, puisque ma règle déployée fait 2 mètres. Bon, celle-là doit faire dans les 2 mètres 20. Mais on a donné la plante comme pouvant atteindre jusqu'à 3 mètres, 4 mètres parfois. Alors, c'est un arbuste souligneux, c'est-à-dire que sa tige contient plus ou moins de lignine, c'est-à-dire du bois. Là, on voit là. Et une chose qu'on peut remarquer tout de suite, c'est ces feuilles qui montent sur une très grande longueur. En fait, voici une feuille là, et les feuilles sont disposées de manière alternée. Et sur la tige, là où les feuilles sont tombées, on voit qu'il y a une sorte de proéminence. On a parlé de proéminence foliaire, c'est-à-dire que les empreintes laissées par les feuilles restent très visibles sur le tronc qu'on voit là. Bon, celui-là, c'est un tronc, disons, relativement âgé. Là, on a un diamètre de combien? On va donner 2 cm pour celui-là. Et on voit la couleur du tronc. Sur un fond verdâtre, on voit des stries qui sont de couleur plutôt marron. Alors, plus la tige est jeune, bien sûr, quand on monte vers le haut, plus c'est jeune, plus le côté verdâtre va être marqué. Il y a, voilà, ça, on voit là, c'est plutôt, ça devient vert. Et sur cette variété, donc, on voit ces pétioles très longs qui portent les feuilles. On peut mesurer la longueur du pétiole. Par exemple, sur celui-là, là, on a un pétiole d'une longueur à peu près 40 cm. De longueur de pétiole. Et quand on regarde, l'attache est un peu enflée ici sur la tige, n'est-ce pas? On voit un bourgeon qui apparaît à l'aisselle de ce pétiole, et on peut voir la largeur ou le diamètre du pétiole à la base, c'est l'ordre de, ça peut atteindre 6 mm. 6 mm. Et quand on regarde les feuilles elles-mêmes, elles sont d'une couleur vert glauque. C'est palmiste disséqué, avec c'est profondément découpé, on pourrait aussi dire digité même, sous forme de doigt, mais ici, il y a combien de lobes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est celui-là, et on va voir ici, combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 encore, ensuite c'est celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc en général, ça va être donc avec... 7 lobes, palmitiséqué, voulant dire que c'est vraiment profondément découpé. On ne peut pas parler vraiment de foliolule. Maintenant, si on regarde chaque, disons, lobe bien découpé, on voit quand même, il y a une nervure principale qui est bien visible, même sur la face supérieure. Si on prend un de ces éléments, ça fait facilement combien? 13 cm de long. 13 cm de long ici, là, ça se voit. Et sur une largeur de combien? Disons, on va dire 3 cm et demi, quoi. Maintenant, si on déploie complètement les différents lobes qui forment la feuille,
le diamètre moyen est de l'ordre de, disons, 20 à jusqu'à, on part d'une extrémité à l'autre, jusqu'à 25 cm, quoi. Et voilà, on voit la nervure principale qui a pour cette variété cette même couleur pourpre, n'est-ce pas, du rouge profond, hein, et elle est là. Et les nervures secondaires sur les lobes, on peut les compter en paire, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc on va dire 17, peut-être à 20 paires de nervures secondaires sur chaque lobe que forme la feuille. Alors les feuilles sont, disons, on ne sent pas vraiment de poils, hein, sur la face supérieure, si bien sur la face inférieure. La face supérieure est d'un vert légèrement plus foncé que la face inférieure, qui est un peu plus blanchâtre. En fait, au fur et à mesure que la plante va se développer, donc elle va s'allonger, on a une division, ça part déjà en plusieurs pieds là, comme si ça t'allait depuis la base. Et donc, au fur et à mesure que ça va se développer, bien, ça va porter en haut de la tige principale, qui est bien droite ici, mais qui n'est pas très solide en fait. Il n'y a pas vraiment beaucoup de bois là-dedans. Si j'appuie, ça peut se casser. Ça va porter une inflorescence terminale en racème. On ne pourra pas montrer ces fleurs ici, mais sinon ça donne bien des fleurs. Et les fleurs, en fait, sont des fleurs unisexuées, c'est-à-dire que les éléments, disons, les éléments mâles et femelles sont vraiment clairement séparés. Hein. Les calices sont très grands, des grands calices verdâtres. Et le fruit aussi va se manifester après la fécondation de ces fleurs, hein, comme des fruits avec jusqu'à 6 ailes. Hein. Disons, ça va se présenter sous forme sphérique quand même et va donner des graines. On en compte dénombrer souvent autour de, disons, 3 graines, hein, à l'intérieur du fruit. Ces graines qui peuvent être récupérées pour reproduire la plante. Même si c'est vrai que cette plante se reproduit le plus souvent, hein, par bouturage, en récupérant donc des morceaux de la tige, hein, qui est bien charnue là, des morceaux que l'on plante donc sur les buttes de terre. Alors nous allons essayer maintenant de montrer les tubercules, hein, pour savoir qu'il y en a. Alors on voit là déjà les fissurations sur la surface du sol, hein, là. Une grande fissuration ici, ce qui veut dire que les racines sont vraiment bien enflées, hein, et se sont étalées sous le sol. Donc je vais racler un peu à la surface ici et creuser, et essayer de faire sortir donc le côté immédiat des fissurations. Je vais creuser, hein, pour voir, mais il faut faire un peu attention pour ne pas couper avec la dabra les racines. Donc il vaut mieux ne pas prendre directement sur la fissuration. Et donc on soulève comme ça. On soulève. Hop, voilà une petite racine qui a été déjà coupée. Mais là on voit déjà, hein, hein, la fine écorce qui est là-dessus et puis la pulpe blanchâtre qui est là et qui est consommée. Mais on va continuer à creuser. Et là, on voit une racine, hein, des tubercules un peu plus gros. Et il faut faire sortir ça. Ça demande un peu d'art, hein, un peu de connaissance. Sinon, on va mutiler, hein, toutes les racines. Or, c'est ça, justement, la partie la plus intéressante de la plante qui est consommée. Oui, au fur et à mesure que nous creusons, on voit apparaître donc des tubercules beaucoup plus gros, beaucoup plus intéressants. Là, même si c'est vrai que on peut avoir des tailles plus grosses encore, hein. Mais déjà ce qu'on voit là est assez intéressant. Et en fait, pour consommer directement avec les dents, bien entendu, il ne faut pas avoir des tubercules trop grosses non plus. Parce que après ça devient incommode pour casser ça avec les dents. Donc les tailles que nous avons là, de l'ordre de combien, on va dire 5 cm de diamètre,
Ça, c'est déjà très bon pour la consommation à la bouche. Mais il y a beaucoup de produits qu'on fait avec ça. Donc, vous entendez parler de l'attiéké, beaucoup consommé en Côte d'Ivoire. Par exemple, c'est basé sur du manioc. Hein. Voilà. Voilà. Donc, on a un tubercule ici. Alors, voici donc les fameux tubercules qu'on a sortis. Et on peut voir là, hein, une sorte de latex blanchâtre. D'ailleurs, ça, on n'a pas suffisamment montré. Si on casse la feuille, hein, on voit le latex qui, voilà, le latex blanc qui sort, hein, comme chez la plupart des euphorbiacées, hein, hein, parce que Maniote esculenta appartient à la famille des euphorbiacées, et donc on voit ce latex blanc dont on se sert énormément d'ailleurs en phytothérapie, et on retrouve la même chose sur ses racines. Donc ce sont ces racines qui sont consommées. Alors je vais juste c'est vrai qu'il y a des variétés qui sont plus fibreuses que d'autres, hein. D'autres sont vraiment très tendres. Et les fibres sont d'autant plus sensibles qu'on touche les parties qui rattachent, disons, le tubercule au tronc même de l'arbre. Donc ça, c'est ce côté-là. Si je vais, je m'éloigne de plus en plus, donc je vais trouver là, à l'extrémité, quelque chose qui est plus apte à la consommation, voilà. Hein, là, j'ai coupé. Et là, donc, je peux enlever la fine pellicule qui est là. Là, vous voyez, donc pour les connaisseurs, ça c'est un vrai délice. Hein. Et là, donc je vais juste couper ça, enlever la fine pellicule qui est d'une couleur, couleur marron, hein, comme vous voyez, c'est très fin. Donc si j'enlève ça, voilà, et le diamètre de celui-là, c'est pas très gros, hein, on peut mesurer. C'est un diamètre de combien, de 4 cm en gros. Et donc, avec cette taille, c'est assez commode à la consommation directement par la bouche. Hein. Là, donc, je vais couper ça. Voilà. Et donc ça, voilà. Au milieu, on voit comme une espèce de racine. Un fibre centrale qui passe tout le long du tubercule. Donc, il y a des variétés qui sont plus sucrées que d'autres. Celui-là, sucre moyen. Alors donc, en ce qui concerne les noms, les malinké ou les mandinka du Mali, du Sénégal, de la Guinée, du Burkina, eh bien, ils appellent maniote esculenta. Banankou, ou bien Banoukou. Au Burkina, les Mossi vont l'appeler aussi Banankou. Hein, c'est la même appellation. Tandis que les Poulards, ou les Peuls de la Guinée, vont l'appeler Bantara. Les Soussous là-bas vont l'appeler Yoka. Au Sénégal, disons, les Wolof vont l'appeler Nabi, ou bien Poulok. Tandis que, alors, les Diola de Casamance vont appeler ça Essana ou bien Doko. Au Niger, les Hausa vont dire Rogo. Et les Armas, pareil, Rogo. Tandis que, disons, en Côte d'Ivoire, en Ashanti, vont l'appeler Bédé. Et en Baoulé, vont dire Agba. Et en Bété, Gogni. Ou encore en Ébrié, Bébé. En Guéré, vont l'appeler Balatou. En Oubi là-bas, Baratou aussi. Et en Chien, ils vont dire Bou. Ou bien Boukwe. Hein. En Yakuba, ils vont l'appeler Béhé. Alors, il y a beaucoup de noms là parce que c'est beaucoup consommé dans ces contrées, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire donc. Et au Bénin aussi, les Aja vont l'appeler Koutouma ou bien Koutou. En Bariba, ils vont dire Tanguma, hein, Tamguma ou bien Logo. En Dendi, ils vont l'appeler Logo. En Newe, Wachi, ils vont l'appeler Agbeli ou bien Kouté. En Fongou, ils vont l'appeler Fenyen. Ou bien Fenyina, Fenyiman, ou bien Glotin. En Mina, ils vont dire Kouté, ou bien Agbeli, Kouté. Et en Sahoué, toujours au Bénin, hein, ils vont dire Finien. Et tandis qu'en Yom,
Ils vont dire Ndoumaya ou bien Ndoumia. En Yoruba, là-bas, toujours au Bénin, ils vont dire Paki ou bien Ege. Et voilà. Donc ça, c'est un certain nombre de noms en langue locale hein, que nous avons tirés de la documentation. Et il y en a d'autres, hein, bien sûr. Nous allons donner, comme à la fin de chaque vidéo, une série de mots que les phytothérapeutes vont combattre en utilisant tout ou partie de cette merveilleuse plante qui est, Maniote esculenta, que nous avons dit qu'il peut se reproduire par ses graines, mais aussi par les morceaux de tige, par bouturage. Et c'est une plante de grande consommation, beaucoup appréciée.